Salut tout le monde, c'est LimoverDuck. On se voit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter encore une fois une Stall Team, mais cette fois-ci avec un Chansey. Voilà, donc il s'agit d'un Chansey avec un set plutôt classique, avec le Toxic, le Seismic Toast, auquel j'ai rajouté le Rest et le Flamethrower. Le Flamethrower qui me permet de sweep, et le Rest qui me permet de me soigner du poison. Alors mes leads sont mon Galvantula et mon Dusclops. Le principe c'est tour 1, par exemple si je vois que mon adversaire il va avoir fake out, là je double protect. Sinon, premier tour je fais la trick room et je pose la sticky web. Pourquoi? Parce que une fois que la trick room est partie, la sticky web me permet de dépasser quand même quelques Pokémon et 7 toujours. Ensuite, tour 2, je mets Mento sur le Pokémon qui pourrait être le plus dangereux pour mon Chansey ou mon Van Shuckle. Et je fais Volt Switch sur le Galvantula qui du coup est beaucoup plus lent que les Pokémon qu'il va avoir en face du fait de la Trick Room et donc va permettre d'avoir un Free Switch sur le Shuckle et le Chansey. Ensuite, donc tour 3, le Chansey, peu importe le move qu'il va faire, ce qui est important c'est en fait le move que va faire Shuckle, c'est le Guard Split. Guard Split permet donc d'additionner les deux défenses et défenses spéciales et ensuite de les diviser par deux et de les répartir équitablement entre les Pokémon. Et donc Chansey, qui a un bulk physique qui est horrible, va pouvoir récupérer une bonne partie du bulk physique de Shuckle qui est juste excellent. Hein. Avec 614 de défense, c'est juste excellent. C'est le meilleur bulk physique qu'on puisse avoir. Et donc Shuckle va ensuite... Protect pour pouvoir gratter un tour de Trick Room. Et ensuite, il va se sacrifier sur le dernier tour pour pouvoir ensuite mettre gratuitement le Subat ou alors le I Believe I Can Fly, le Latios. Généralement, je mets plutôt le Subat. Pourquoi? Parce que le Subat, il permet de passer le Skill Swap. Donc, grâce à son talent Unaware, je vais pouvoir donner le talent Unaware à Ninja. Ce qui va permettre à mon Ninja de tanker même les attaques des Pokémon qui sont setup. Et c'est très pratique parce que généralement les ennemis vont avoir le réflexe de setup leur Pokémon pour pouvoir passer le mur. Ce qui est important aussi après c'est d'avoir le Latios. Pourquoi? Parce que le Latios, grâce au Power Split, il va pouvoir additionner encore une fois son attaque spéciale et son attaque physique, bon ça on s'en fout, avec celle de Chansey. Et donc va pouvoir donner à Chansey une bonne attaque spéciale. Et ce qui va le servir à passer quelques Pokémon qui peuvent être embêtants, par exemple... Je pense notamment à l'Aegislash que je ne peux pas passer avec le Toxic ni avec le Seismic Toast. Et donc il me faut le Flamethrower pour pouvoir le passer. Du coup on va lancer un premier match. Alors, le Junko s'il peut poser les Lich Seed, il pourrait être embêtant. Oh, notre adversaire met directement le timer. Donc il est prêt à jouer. Alors, le Metagross c'est le Tapu Lélé en soi, c'est pas un lit très embarrassant, mis à part la Shadow Ball qui va faire extrêmement mal. Mais on peut la tenir et ensuite on pose la Sticky Web. Enfin, on pose la Sticky Bomb et ensuite on la tient. Oh, il set up. Alors, j'ai l'impression qu'il veut jouer une équipe assez bulky. Donc, j'hésite à Aze et à Memento. On va plutôt Memento direct. Aze et Protect. On va plutôt Memento direct et on va Volt Switch sur l'air, sur le Metagross. Là donc du coup il a moins en attaque spéciale, on tient. Lui il set up player en defense évidemment. Parfait. On pose Ninja, on pose Don't Fuck All With Shuckle. Et c'est la win. À moins qu'il ait Lich Seed sur le Junko, là par contre ce sera embêtant. Alors... la Psychic Surge va être embêtante. Je pense qu'on va Seismic Toast, le Metagross. Ah, il a le Rock Elemet. Ce serait plutôt... Non. On va plutôt... est-ce que le Toxic fonctionne sous Psychic Terrain? Alors, on va vérifier. D'accord. Voilà. Alors, et oui, ça empêche juste les priorités, donc ça empêche pas le toxique. Donc on va toxique le Tapu Lélé. Oh, et il switch out sur l'Infernape, qui va être extrêmement menaçant par contre. Faut l'avouer qu'il va être extrêmement menaçant. Le Metagross, je sais pas s'il a accès à Stored Power. Si c'est le cas, il peut devenir aussi menaçant. Alors je pense que
On va pas attendre pour attaquer. Quoique. En soi, si c'est pas super gênant. On va protect. On va sismictos, premier tour, sur l'Infernape, qui est sans doute le Pokémon le plus dangereux pour cette team. Avec le Junko, si le Junko, évidemment, il a les Leech Seed. Alors, que va-t-il faire? La Sismictos fait des bons dégâts. Le Power Punch inutile. Là, par contre, ça va pas suffire à tuer une attaque. Quoique, en fait. Et notre adversaire live. Là, par contre, je pense que le Final Gambit est plutôt overkill parce que la Sismictos devrait faire suffisamment de dégâts. On va quand même Sismictos au cas où. Mais en soi, c'est pas super gênant. Bon, alors, il a pas l'air de vouloir. Non, il a pas l'air de vouloir forfeit quand même. On est d'accord, la Sismictos va être sur le Metagross. Voilà, hop. Le Rocket Met évidemment. L'Iron Head qui fait strictement 0. On va mettre le Big Ass Nose quand même parce que il peut toujours setup. Sait-on jamais. Alors ça a l'air d'être plutôt un méga Junko. Parce que ça m'étonne qu'il soit un méga Metagross. Alors le Greninja c'est sûr qu'on dépasse. C'est genre, on est Choice Scarf plus il y a la Sticky. On va faire le skill swap sur le Ninja. Et le Ninja, on va lui faire faire. On va le faire Non. On va plutôt faire le skill swap et la une Sismictos gratuite sur le Greninja. Ok. Un petit crit quand même. Hein. Ok, donc ça sert strictement à rien. On va switch out sur Mini Ice Spider parce que en soi il sert pas à grand chose et je pense qu'il il a plutôt intention de focus le Ninja. Donc on va se reposer avec le Ninja. Ah, il fait Ice Punch. Mais la tête de fer. Ah, le flinch. Non, pas de flinch. Non, 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 pas de flinch pour lui. On va faire un Volt Switch gratuit sur le Greninja. Et on va se reposer encore avec un Ninja. Là, c'est plutôt bien parti. Donc, à moins qu'il révèle qu'il est Leech Seed sur le Junko, là, c'est plutôt bon. On va même BS Nose parce qu'il a pas grand-chose à perdre. Le Riff. Alors, il a Waterfall sur son Greninja. Un Greninja physique. C'est plutôt atypique. Faut l'avouer. C'est atypique. On va poser Reflect. Comme ça. Gratuitement. Là, on va mettre Mini Spider. Oui. On va faire le petit Volt Switch gratuit. Et on va Sismictos le Metagross. Donc là c'est bien, on peut facilement tuer le Greninja et le Metagross à la fois. À moins que le Metagross... Non ça va. Je sais pas si ça va tuer en fait. Metagross ça faisait du combien le... La Sismictos il a fait combien sur Metagross Sismictos, Metagross c'était 34%. Bon bah... Ça devrait pas tuer. Donc du coup on va mettre Appel Evac and Fly. Et non, ça ne tue pas. Il est à 2%. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, il a fait l'Iron Head, évidemment, sur Drive Back and Fly. On va Protect. Et on va Toxic. Ouais. Le double focus. Oui. Hop. Alors. Par contre, on va pas pouvoir le gérer le. C'est sûr, on va pas pouvoir gérer le Magirev si on peut pas setup l'attaque spéciale. Donc on va devoir faire le Power Split sur le Ninja. On est obligé. Là par contre, c'est sur le Dazzling Gleam, il va me tuer. Mais en soi, c'est pas que c'est pas important, c'est juste que. Il faut absolument le setup. Oh! Ah oui, oui, d'accord. Pas de flinch, c'est bon. Alors là, on va. Ah, bah oui, super. On a Mini Ice Spider. Qui va faire un Volt Switch gratuit ou pas? Non, on va se reposer. Alors, on va Protect.
pour gratter un tour. Et on va se reposer avec Ninja. Voilà. Et ensuite, vu que celui qui fait le plus de dégâts en soi, c'est plutôt le Metagross, on va éviter en plus de se faire flinch en tuant le Metagross. En espérant évidemment qu'il est sur son Sceptile, il n'ait pas accès à Leech Seed. Enfin, évidemment qu'il ait accès, mais par contre, qu'il ne l'ait pas. Le Psy-Shock qui fait 0, même sous Psychic Terrain. Donc là, il peut nous faire juste un dernier petit Psy-Shock, mais pas grand-chose. Donc c'est plutôt bien parti, faut l'avouer. Je vais Protect, je vais faire... Alors je pense qu'il s'est dit que je pouvais pas le toucher, ce qui est totalement faux. On va faire des dégâts de gratte par contre avec le ninja. Avec le mini Ice Spider, on va faire des dégâts de gratte avec le Volt Switch et grâce au ninja. Ah par contre, ah mince. Ah mince, il est Lightning Rod. Évidemment après on a setup le Nowhere, donc en soi c'est pas super grave. On a Protect, donc du coup, enfin tout ce qu'on peut faire maintenant c'est faire un Volt Switch. On va tenter, peut-être que ça va le setup, on sait pas, c'est pas grave. Et on va faire le Miss Magus. Ah, mince, ça va le setup. Bon bah c'est pas grave. Peu importe de toute façon. Swift. Hop, un petit 25% sur Miss Magus. Pas mal. En soi, mais si en fait on peut totalement le toucher avec Toxic. Qu'est-ce que je raconte? Je l'ai confondu avec un Pokémon Poison et Spectre. Genre Ectoplasma. Qui par contre justement nécessite l'apprentissage de Flamethrower pour pouvoir le passer. Ou alors l'Exagide aussi qui est assez gênant. Alors le pro qui va faire des petits dégâts. Non mais Dragon Breath. Oh mais cette méta. Mais cette méta. On va toxique les deux Pokémon. En soi c'est pas, ils sont pas vraiment menaçants apparemment. Hein. Ils ont l'air de rien pouvoir faire. Ouais, on va se reposer. Et on va gagner un premier match. Et grâce à Ninja, le wall par excellence. Alors, en espérant quand même ne pas se faire paralyser, parce que ce serait assez embêtant si on se fait paralyse et qu'on se fait paralyse en permanence. Ça peut être gênant. Ah, et la paralysie et... Mais le repos. Oui. C'est le axe. Ah, mince, le pro. Mince. Ah oui, zut. Effectivement. Ah, c'est plutôt embêtant. Ah, j'avais oublié ça. Léger détail que voilà. Que voici, que voilà. Alors, on va... Ah, oh, mince. Ça a l'air d'être perdu, là. Ça semble plutôt perdu. À moins que... Ah non, il refait le pro. Alors, le repos. Allez. Pas de paralysie, pas de paralysie, pas de paralysie. Après, en soi, je peux tenir deux Dragon Breath. J'espère que c'est tout ce qu'il a. Ah, j'ai mal joué. J'ai très très mal joué. Oh là là. Ah, c'est le stress. J'ai cadrine. Et c'est le repos. Ouf. Et du coup, c'est la victoire. On va dire quand même GG parce que même si on a mal joué, lui a joué correctement en tout cas. Et c'est une première victoire. Du coup, on va lancer un deuxième match. Ah! Ah, encore une team avec Orengo. Ça, c'est... Je sais pas pourquoi les gens ils jouent ça. Enfin, en vrai, il est pas fort comme Pokémon. Enfin, non, il est nul. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme talent? Régénérateur, Oblivious, Home Tempo, Cloud 9. Il a un spécial. Donc, je pense pas que ce soit un set très, 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 très réfléchi en quelque sorte. On va tenter. On va poser la Trick Room, la Sticky Web comme d'habitude. On va voir ce qu'on peut faire.
Oh, ça commence mal. Ça sent déjà l'ennemi qui met 2 ans à jouer. Alors. D'accord, le Protect et la Trick Room. Ah mince, double Trick Room, ça par contre, c'est assez embêtant. On va Trick Room, on va Protect. À notre tour. Il a combien de speed? 58 et 69. Ah oui, donc il est plus lent. Ouais, on va bien Trick Room et Protect, on va voir quand même. Enfin, en soi, ils sont. C'est pas les Pokémon, ils sont très très offensifs. On va voir. Alors, le Flame Force sur One-Eyed Man. Le Fling de la Citrus Berry. D'accord. Mais lui, il a pas Harvest en soi, donc je vois pas vraiment à quoi ça sert. On va Memento maintenant sur le grand pas parce que il fait assez mal quand même ce Pokémon. Faut pas se le cacher. On va Volswitch sur le Slowking. Ça va faire 2-3 dégâts gratis. Du coup, il va stresser un petit peu en quelque sorte. Vraiment, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il fait. Il a Fling sur son Slowking alors qu'il a pas Pick-up, il a rien. Non, il a rien pour la récupérer. Oh, il s'aime, tu pars! Étonnant. Le petit 26%, Donphocal, Whipshackle, Ninja, on les pose tous les deux. On fait un petit toxique, je pense, sur un petit toxique sur Slowking, c'est pas dégueu. Et on va mettre un bon guard split sur le Ninja. Et ensuite, on va prendre exactement 0 dégâts. Et ça semble être la win parce qu'il n'a pas de step combat. Il a pas de Lichid a priori, non. Ah oui, ça semble être la win. Le Greninja va être facile à passer. On va pas se mentir, hein, il va être très très facile à passer. Hop, le petit toxique sur le Greninja. Waouh, super. On va toxique aussi son Marowak. On va protect. Parce que je pense qu'il va tenter peut-être l'Hydro Pump sur le Shuckle. Belly Drum? Ouais. Pourquoi pas? Ah, par contre, il est quand même assez embêtant. Je suis tenté de Hard Switch. Sur Mini Ice Spider, parce qu'il a 85 de speed, donc il est plus lent. Oh! Et notre adversaire live! Alors, comment ça se présente-t-il? Je pense qu'on va Hard Switch sur Mini Ice Spider et qu'on va Protect sur Donphocal. Non. Non, non, non. Si on Protect, c'est fini. Il faudrait qu'on le dépasse. De 1. Donc là, du coup, fin, quand la Trick Room sera passée, ce sera bon. Ensuite, après, je pourrais le knock-off, c'est sûr. Une fois que ce sera passé, je pourrais le knock-off, donc ça mettra pas beaucoup de pression. Mais par contre, je veux vraiment avoir un bon. Je veux vraiment avoir Unaware de placer sur Ninja parce que si c'est top, ça va être assez ennuyant. Mais je veux quand même pouvoir conserver mon Shuckle. Donc avec Shuckle, là j'ai Protect, donc non. On va double switch, donc on va mettre Mini Ice Spider. Et je pense qu'on va sacrifier I Believe I Can Fly. Qui en soi n'est pas super important. Voilà. Il a fait l'hydrocanon, évidemment. Hein? Hydrocanon? Mais. C'est quoi ce joueur? Mais qui joue ça? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Must Recharge? Moi, il doit rien avoir, non? Bon, peu importe. Voilà. Donc, on va placer. Le Biggest Nose en soi, oui, qui va pouvoir mettre. Je pense. On va knock off le Ghost. Et on va Reflect. Il faut vraiment par contre qu'on puisse faire au moins le guard split avec le Shuckle et le Chansey, sinon ça va pas le faire.
Oui, on est d'accord, il doit se recharger. Oh! Parfait! Avec Shuckle, on va... On va voir le Double Edge, il va faire assez peur quand même. On va Protect. Ah, c'est assez chiant, mais enfin, on peut pas risquer de mettre le Chansey et se faire tuer. Oh, parfait. Light Slash qui ne fait pas grand-chose. C'est assez étonnant. Faut l'avouer, quand même, c'est étonnant. Là, par contre, on peut mettre donc gratuitement, évidemment, le Chansey. Donc là, vu qu'on a le Reflect qui est posé, on peut mettre gratuitement le Chansey, c'est parfait. Et donc, ce tour-là, ça va être Don't Fuckle with Shuckle qui va directement mettre le Guard Split sur le Chansey qui va Hard Switch. Ensuite, après, on laissera donc le Shuckle mourir. Et ce sera sans doute la win. Parce que maintenant qu'il a plus de Belly Drum... Ah, peut-être le Slowking qui peut... Ouais, non. Slowking Belly Drum, ce serait vraiment abusé. Ce serait abusé de jouer ça. Parce que je sais que oui, Slowbro peut avoir Belly Drum, donc Slowking, oui. En soi, enfin non, s'il joue full play, c'est exact. C'est qu'il a pas Belly Drum. Il va peut-être poser la Trick Room. Peut-être. Ce serait cool. On a le Slash qui fait 0. Le full play qui fait moins 0. Alors, bon là c'est plutôt bien parti, hein. On va pas se le cacher. Je pense qu'on va... Ah, il a protect. Donc, en soi, il est pas forcément très intéressant de tenter le toxique sur ce tour-là. On a fait le guard split, on a dit. Ouais, le guard split, il est posé. Donc, on peut faire protect gratuitement, je pense. En soi, enfin, on va essayer de conserver au maximum le Shuckle. Ouais, c'est ça. Le Drampa, évidemment, il fait le Protect, comme prévu. Le Slowking, lui, pose la Trick Room, ce qui est super bien. Je sais pas combien ce qu'il a, le Drampa de base PV. Drampa... Alors, 78 de base PV. Ouais, on va pas pouvoir... Ouais, on va pas, visiblement, on va pas pouvoir le tuer avec Sismictos plus le double focus. Donc on va le toxique. Et là, bah, on final Gambit et puis basta. Hein. Ouh, ça fait quand même des bons, les gars. Le Psyche qui fait 0. Le Dragon Pulse qui fait 0 aussi. Le petit toxique. Et bah, c'est la fin pour le Drampa. Ah, le Biggest Nose qui ne va pas normalement pouvoir m'aider. Ah, ça c'est assez embêtant par contre. Je pense qu'on va se reposer, comme ça on va être full vie pour le Tortunator qui va pouvoir setup. Je pense, ouais, on va se reposer. Et on va tenter le skill swap. Ah, double focus, on est d'accord. En soi, là on n'a rien à faire. Il faut vraiment qu'on soit le plus disposé à tanker les attaques du Tortunator qui est assez top. Ah, il y a le Rangourou encore. Mince. Alors, j'espère que le Tortunator va pas être trop embêtant. Après, c'est pas un Pokémon qui tape extrêmement fort, il me semble. Tortunator. Non, ça va, il tape pas grand chose quand même. Faut pas abuser. Bon bah c'est plutôt cool alors. Alors qu'est-ce qu'il va mettre? Le Rangourou ou le Tortue? Je pense que son meilleur play ce serait mettre le Tortue. Parce que là il peut setup et j'ai encore un tour de sommeil à faire. Donc oui, il pourrait setup sur ce tour là. Et ensuite après il pourrait essayer de me taper. Genre avec l'explosion, peut-être que ça pourrait faire des bons dégâts. Ouh. Et c'est ce qu'il a à faire. Ah bon, là du coup il doit dépasser. Oui, bon bah on va. De toute façon on va dormir. On dort un petit peu, on voit ce qu'on peut faire. Le Psychic qui fait. Ah mince! Le Speed F Drop. Allez, on espère qu'il tape sur le physique. Sinon, c'est la fin. Sinon, c'est la fin. Parce que la fin. Généralement, je pense qu'il tape sur le physique plutôt généralement. Et justement, oui, il doit avoir un Earthquake, je pense. On va le toxique parce que il est assez gênant.
Je pense que ça va être du Toxic Rest. Shell Smash. Ouais. Ouais, il y a Laurent Gouraud qui est en train de l'aider. Je pense que c'est la fin. Je vois un peu les dégâts, mais je pense que c'est la fin. Ah, il est setup à plus 5. Ça a l'air d'être la fin. Seulement ? Les dégâts sont ridicules ! Ouais, ça fait 18%. Bah, on va se reposer. Normalement, on va pouvoir tanker. Ouais, enfin, non. Non, ça va pas suffire. Ça ne suffira point, je pense. À moins que... Peut-être. On va tenter le tout pour le tout, hein, en soi. Pas grand-chose à perdre. Eh, s'il a que des minerals, ça peut le faire. 16%, 16%, 15%, enfin 15,6. S'il a que des minerals, ça peut passer. Effectivement. Si... Oh. Allez, minerals à 17%. 18%. Ah, allez, le minerol. Le mine. Allez, on tente le minerol. C'est le stress. Ah non, c'est le flail. Hello darkness, my old friend. Bon, bah, on va lancer un troisième match en espérant le gagner cette fois-ci. En espérant aussi avoir un opponent. A few moments later. Ah! Oula! Ça va être une team assez embêtante. Bon, là, c'est sûr qu'on va devoir power split pour pouvoir passer le Gengar. On a quoi? Le Volcarona va être embêtant, je pense. On valide, évidemment. Alors, Mimikyu et Shuckle. Alors, je pense que c'est un Trick Room. Évidemment, il va faire la Trick Room. Donc, en soi, je vais reposer la Trick Room. Je vais faire la Sticky Web. Je pense qu'on va faire exact. Ah! Le Bulk Up! Le Guard Split. Ouh! Serait-ce un set copié du mien? Je ne pense pas. Quoique, enfin. Tout est possible en soi. Je pense qu'on va pas rendre Memento direct le Mimikyu. Ouais. On va direct Memento le Mimikyu. Et ce qu'on va faire, c'est que on va faire le Volt Switch pour péter son fantomasque, ce qui ne sert, enfin son déguisement, ce qui. Hein? Oui. Oui, donc du coup, on va faire le Memento sur le Mimikyu et on va faire le Volt Switch sur le Mimikyu. C'est parfait. On le met à moins en attaque. Il bulk up. Oh, d'accord. Du coup, hop, au revoir le Disguise. On met le Ninja, on met le Don Focal with Shuckle, on met le Guard Split sur le Ninja, on fait le Toxic sur le Mimikyu. Et bah voilà. Et normalement, ça devrait être plutôt la win. En soi, enfin, il a pas de Leech Seed. Son Shuckle, je vois pas vraiment l'intérêt du Guard Split. Enfin, son Mimikyu qui est un Pokémon qui a pas forcément une très bonne base PV. Enfin, il a essayé de faire un Mimikyu qui peut sweep en pouvant setup sur la défense, je pense. Je pense après c'est plutôt pour la défense spéciale qu'il a setup. Et ensuite après, donc il y a le Bulk Up qui est là pour setup sur le physique. Après, peu importe, hein, une fois que j'aurai setup le Nowhere, il n'y aura aucun problème. C'est surtout pour le Volcarona, où en fait, en soi, il fait pas vraiment peur à Chansey, mais si setup beaucoup, il peut faire pas mal de dégâts. Et en plus, il peut trap, enfin, non, il peut pas trap lui. Mais quand même, il peut faire des bons dégâts à Latios, hein, s'il a le Bug Buzz.
Donc il est quand même assez menaçant. Évidemment, il me toxique. Moi, je toxique aussi. Tout le monde toxique, tout le monde est content. Hop, hop, hop. On va protect, on va toxique le Shuckle aussi. Parce que Shuckle, quoique il a une base PV qui est vraiment minable. Vu sa base PV minable, je pense que le Sesmito c'est meilleur que le toxique. Le Mimikyu il est qu'à plus 1, donc ça doit pas faire extrêmement mal. Mimikyu, faut au moins qu'il soit à plus 2 pour se mettre à faire 2-3 dégâts. Donc quand il sera à plus 2, ce sera bon. Après, c'est vrai que s'il a le Shadow Sneak, quoique non, maintenant j'ai un Aware du coup. Ça devrait passer. Alors, du coup, s'il a Shadow Sneak. Enfin, il a juste. Pour l'instant, il a juste révélé qu'il avait Bulk Up. Ce qui en soi n'est pas extrêmement menaçant. Du coup, on Protect. Oui, le Toxique. La Sesmictos. Et voilà. Ouais, hein, ce Pokémon, il a vraiment un bulk qui est horrible. C'est parfait. Du coup, je pense que le Final Gambit, je pense qu'il est comme moi, hein, enfin, il a tout mis en défense. Le Final Gambit va tuer le Shuckle. Et en soi, je pense qu'il vaudrait mieux se reposer sur ce tour-là. Parce que le Toxique, il peut se mettre à faire mal. Donc, il nous Toxique, mais rien à faire. Au revoir le Shuckle, goodbye. Je vais voir un petit peu ce qu'il peut faire avec son Mimikyu. Le Bulk Up. D'accord, il continue ce setup, donc très très bien. Il se setup à l'infini. Ça, c'est parfait. Il a rien compris. Alors. Serait-ce une victoire? Serait-ce une nouvelle victoire pour le ninja? Après, le fait qu'il continue de setup me fait penser qu'il a sans doute repos sur son Mimikyu. Du coup, le Latios est vraiment, mais vraiment indispensable dans cette team. Après, il a 320 speed, donc du coup, il va pas... Ah oui, mais du coup, il y a Shadow Sneak, par contre. Mais la Sticky Web va permettre donc, de dépasser ses Pokémon et donc de pouvoir... Alors, on va faire le skill swap. Et va donc pouvoir permettre de placer au moins le Power Split. Alors, on va faire un petit toxique, je pense. Quoique, donc si Mega évolue et après il fait Magic Bounce, enfin de toute façon on peut rien faire, donc on est en train de dormir. Hein. Ah mince, le fake out. Mince. On va... Ouais, faut vraiment qu'on arrive à placer. Faut vraiment qu'on arrive à placer le skill... Oui, le skill swap. Ouais, de toute façon ça sert à rien. Alors... Alors, on espère ne pas se faire axe, on espère ne pas avoir quoi que ce soit de gênant. Donc il a compris que j'avais un aware sur mon Because Nose et que ça ne servait à rien de me Shadow Sneak, ça allait pas tuer, normalement en tout cas. Par contre... Ah non, attends. Oh, c'est bon, j'ai réussi à placer le skill swap. Donc là évidemment, il avait healer le Because Nose, donc ça ne servait strictement à rien. Mais le knock-off qui va faire 6%, bon là ça va faire plus mal maintenant... Enfin, donc il a la Citrus Berry. Ce qui me laisse penser, c'est qu'il n'a pas repos. C'est plutôt bizarre. Hein. Voilà, je suis tenté de protect sur ce tour-là. Et de faire toxique sur le Sableye. Check un petit peu ce qu'il peut avoir. Son Mimikyu, il est assez. Assez spécial. Donc là, il a Shadow Claw, Drain Punch. Après, je dois avouer que je m'attends fortement à un repos en dernier move. On va voir. Hein. Mais en fait, on va savoir s'il a un repos. Normalement, à ce tour-là, peut-être au tour suivant. Mais je pense fortement qu'il ait repos. Mais en soi, la Shadow Claw ne touche pas. Enfin, le Bulk Up. Il a beaucoup de PP, donc du coup, il va pouvoir quand même me stall avec le ninja. Enfin, me stall mon ninja. Mais en soi, s'il a pas de move de priorité, du coup, enfin, s'il a pas Shadow Sneak, c'est bon, là, le Latios, je vais pouvoir le mettre facilement, le Power Split, et je vais pouvoir sweep avec Ninja, normalement. Alors, le Toxic, la part de Sableye, le Drain Punch, qui fait 14%, donc c'est bon, ça passe. Hein. Alors, oh, le miss du Toxic. Ah, ça, c'est très, très embêtant. Ah, faut avouer que ça, c'est très, très embêtant. Ah mince.
Ouais. Je tentais de faire des dégâts de gratte à Sableye. Ouais, toxique aussi. Parce qu'en soi, normalement, il a rien pour me toucher, mon ninja. Donc, c'est plutôt gratuit. Mais c'est juste que le Sableye, enfin, s'il a. Quoique non, il a pas taunt, sans doute. Ça doit pas être un méga. Parce que, enfin, il a sans doute méga évolué. Quoique, justement, il va peut-être méga évoluer. On va voir. Non. Je. Volt Switch, ça fait des bons dégâts. Là, il y a une petite pression quand même qui s'installe. Le Mewtwo, il peut faire la Shadow Claw sur le Abel Evacan Fly. Donc, on va reposer le ninja. On va mettre... Ah, super. Donc, il a aucun move de soin. C'est parfait. C'est le set purement offensif, tout pourri. Donc, la Shadow Claw qui était obvious sur le Latios. Nous, on se repose avec le ninja. Et on est tranquille. On est safe. Il n'a rien pu faire. Mais zéro. Le Sableye qui est en train de mourir. Je pense pas que son. Je pense que son move ça doit être recover sans doute. Alors le Gengar, c'est à cause de lui qu'on va devoir absolument faire le Power Speed sur le ninja. Mais à 100% on est obligé. Là par contre du coup on doit faire le Flamethrower. Mais de toute façon on dort pour l'instant. Ah, Mega Gengar n'est pas. D'accord, il n'est pas banni en fait. Très bien. Du coup, en double overused, Mega Gengar est possible. Bah, c'est plutôt embêtant en fait. Et ça peut quand même devenir une étape assez fort, faut l'avouer. Mais c'est pas grave. En soi, c'est pas super grave. Le recover, évidemment, sur Sableye. Ah, d'accord, le Gengar, donc Destiny Bond, directement, elle se dit ouais, c'est bon, il va essayer de me tuer. Bah, c'est très bien. Je pouvais pas rêver de mieux. En soi, il va pas me taper sur le physique normalement. Donc, tout ce que je peux. Je peux rien faire de spécial en fait. Non, j'ai que. Enfin, je peux faire le Impulse. Enfin, je peux faire le Reflect du désespoir qui sert strictement à rien quoi. Ouais, enfin. Avec les Black and Fly, c'est pas utilisé. Mais, le Flamethrower qui fait des bons dégâts. Alors là, ça va être un jeu d'anticipation avec le Volt Switch et tout. Y a pas à dire. Je pense qu'on va Protect. On va faire le Flamethrower. Ah! Donc là, il nous a pas fou. Soit on s'en fiche un peu. Alors, non. Non, 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 non. Il faut. Ah, on va plutôt Thunder Wave, le Gengar. On va et on va faire un petit Flamethrower sur le Gengar. Mais faut surtout pas qu'on le tue. On fait le Flamethrower. Faut vraiment qu'on fasse gaffe hein, avec ses Destiny Bond en fait. Parce que si on le crit, on le tue. D'accord, donc là il a. Il s'est dit du coup, je peux les tuer comme ça. Mais enfin, je vais pouvoir pépestole ses Destiny Bond évidemment. Et bah son Gengar il va servir exactement mais à rien du tout. Pour être honnête, là j'ai aucune pression de la part de son Gengar. Dans zéro. Là, il a exactement le mauvais. Oh bah c'est le Protect de partout. D'accord. Il a sans doute le pire adversaire qu'il pouvait avoir. J'ai Volt Switch sur le Gengar et je vais Toxic le Ninetales. On va faire ça comme ça. Je sais pas si... Non, ça semble pas tuer hein, le Volt Switch. Mais ça va faire des bons dégâts. Ah mince. Si j'avais su. Bon, ok, là il l'a tué. C'est vrai que maintenant c'est assez embêtant. Mais là par contre je comprends pas. Elle a décidé de claquer tous ses Destiny Bond. Et ben moi ça m'arrange plutôt en fait. Parce que il peut strictement rien me faire. Apparemment son Gengar il peut vraiment. Mais parce que dans le pire des cas, je pense qu'il aurait essayé de me faire des bombes Burk pour essayer de me tuer. Le toxique, Destiny Bond. Ah, mais il spam en plus, hein. Ah, mais c'est juste génial. Il est en train de spam. C'est parfait. Bon, on va se reposer. On va voir un petit peu ce qu'il peut faire.
le Flame Burst, ça fait rien, le Sludge Bomb évidemment. Donc c'est parfait, il peut pas descendre ma défense spéciale. Tout ce qu'on a à faire nous en fait c'est se reposer. Là du coup on va se réveiller pile poil, c'est ça. Ça va faire 30%, donc du coup on va être à deux on va être à deux tours dormi quand il va être il va pouvoir switch out sur le Volcarona. Oula, sur le Volcarona. Du coup, enfin le Volcarona, il va on va pouvoir le toxique directement. Avant de les toxiques. Voilà. En soi par contre, si le Volcarona fait des bons dégâts, c'est pas forcément gagné. Il y a quand même un petit stress. En soi. Ah ouais. Non, on va se reposer, on va voir un peu ce qu'il peut faire. D'accord, il place sa Quiver Dance. Mais parce qu'il est stupide. C'est très très bien. C'est parfait même. On va du coup toxique en fait. On va essayer de toxique le plus rapidement possible Volcarona. C'est parfait, il setup la Quiver Dance, donc il va rien pouvoir nous faire. Ah bah ça semble être la victoire. Hein. Clairement, c'est la victoire pour notre côté. Parce que on va pouvoir pp stall très facilement les Destiny Bond. Il ne reste que 3. C'est clair et net qu'il va rien pouvoir faire. On a juste à le pp stall en fait et ce sera fini. Et ce sera un nouveau pp stall. Mais de qualité. Ouais. Alors là par contre je pense qu'il est en train de se dire ouais je suis en train de me setup, c'est trop cool. Et au final bah, je vais me reposer et ça va être la victoire. La paralysie, qui ne joue strictement pas, à moins qu'il avait crit, là par contre il m'aurait tué. Mais là, enfin, c'est... Ah, c'est pas forcément la victoire en soi. Ah bah si, il continue de setup la Power Dance, donc si, c'est la victoire. Et la paralysie qui gêne énormément notre adversaire. Il avait encore une victoire s'il se faisait pas para, et qu'il spammait les Fire Dance, il pouvait me tuer. Mais là c'est clair, voilà quoi. Il setup les Quiver Dance évidemment, très très intelligent, mon adversaire c'est le plus intelligent de toute la Terre. On va faire les Seismic Dose, on va l'achever, voilà. Et bah c'est la victoire. Rien à dire en fait, là c'est la victoire. Ça se trouve il va même tenter le Destiny Bond maintenant. Et c'est le forfait. Personne ne peut passer le ninja. Bon bah... Voilà, je pense qu'il n'y a plus rien à dire sur ce ninja qui est presque invincible, hein, évidemment. Le Leech Seed permet de le passer, le Taunt aussi, l'Electric Terrain, beaucoup de choses permettent de le passer. C'est très circonstanciel, mais c'est très fun. Ça permet de troll assez facilement. Et il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus. Donc voilà, si vous avez apprécié la vidéo, bah... Vous pouvez la partager ou vous pouvez la liker. Mettez surtout des commentaires pour m'aider à améliorer mon contenu, évidemment. Et bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle session de troll.